Bienvenue à l'atelier donc, sur les questions du patrimoine. On a fait un petit peu trois modules différents. Et ce matin, on voulait interroger les liens entre les processus artistiques, les démarches de création des artistes et le territoire ou les habitants du territoire dans leurs différentes formes. Donc on va organiser l'atelier en deux temps. Un premier temps, on va laisser 10 minutes à chacun d'entre vous, allez, un quart d'heure à chacun d'entre vous pour situer les choses, dire un peu qui vous êtes et nous parler de votre rapport au patrimoine. Donc voilà, ces deux choses, elles sont importantes pour moi, c'est-à-dire la ruralité et puis le fait d'aimer tellement la ville et d'aimer tellement aussi me promener en ville. Comment vous choisissez votre paysage, justement? Est-ce que ça vient d'une discussion avec le lieu éventuellement d'accueil? Si forme il y a, elle est dans la pratique plus que dans la réalisation. Et ce qui nous intéresse, c'est justement la manière dont cette forme va être altérée par le rapport au lieu. Sur la relation au lieu, alors moi je m'intéresse à tout type de lieu. Je pars vraiment du principe qu'on peut faire du son partout, qu'il y a du son partout, que le silence n'existe pas. Ça a été dit et redit depuis longtemps. Et l'idée derrière la photo, c'est juste de dire, est-ce qu'on peut plus globalement exprimer ou trouver une façon de révéler les personnes derrière les employés? Et l'idée de la photo, et ensuite Marie-Noël a élaboré le projet sur la base de la visite avec cette idée directrice. Donc ces gens qui travaillent dans l'entreprise, mais qui vivent aussi sur ce territoire, et comment il y a une circulation entre le dedans et le dehors. C'est un travail que j'ai fait à Dunkerque, où j'ai photographié la ville et les habitants, et je me balade comme ça avec mon appareil, et en général, le portrait va se faire par une rencontre complètement fortuite, c'est-à-dire des gens qui me voient dans l'espace public avec cet appareil-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, moi, ce n'est pas ma pratique artistique qui a fait que j'ai rencontré les gens. C'est des choses... Non, mais c'est vrai, le facteur beaucoup plus narratif que ça. Voilà, parce que je suis identifiée aussi comme la mère d'un petit garçon, comme habitant à tel endroit. Moi, je tiens à le format de la résidence mission. Je trouve qu'il est vachement important parce qu'il est relativement souple et que du coup, on peut aussi être en prise avec des lycées ou même après, enfin, des publics qui sont super réceptifs et qui n'ont pas cette inertie, justement, qui sont en ouverture et voilà. Donc c'est vraiment favoriser le fait qu'il y ait une diversité de cinéma représenté sur le territoire, et notamment au milieu rural, pour faire en sorte que des films d'auteurs puissent passer un petit peu partout dans les plus petites salles de cinéma. Donc c'est vraiment rééquilibrer les disparités territoriales et développer aussi l'action culturelle dans les salles. Très franchement, quand on est en le 93, où on intervient, je retrouve les mêmes enfants, la même culture que dans le sud de l'Aisne, à Coincy, quand même. Oui. On se dit pas, tiens, il y a une spécificité de ces enfants dans leur rapport à la lecture, à la culture, à la mobilité, aux rêves, aux désirs. On est confrontés, moi je trouve, en tout cas nous, donc c'est pas, j'en fais pas une généralité, mais nous en tant qu'acteurs portant ce projet-là, aux mêmes problématiques. Voilà, avec en plus, je trouve, moi, cette difficulté sur la mobilité, c'est-à-dire faire venir nos collaborateurs jusqu'à nous, au Moulin Canard, à Ferrand-Ardenois, c'est extrêmement difficile. Et on s'aperçoit qu'il y a régulièrement des thèmes qui sont liés, par exemple, à l'environnement, à l'avenir de l'agriculture, la question du travail aussi, la place de la femme, par exemple, en montagne. Je crois qu'il s'agit de peut-être de redéfinir cette géographie et de montrer comment il y a un territoire, pour le coup, un territoire qui est un territoire complexe, avec des enjeux qui sont des enjeux tout à fait excitants et qui touchent par exemple, à la gestion de l'énergie, tout bêtement, par exemple. Justement, de dire,
comment on fait pour mettre autour de la table les gens que ça concerne, donc les habitants, et puis tous ceux qui sont acteurs, politiques, etc., associatifs, pour justement construire une politique avec tous les enjeux dont vous parlez. On a fait des ateliers photos aussi, où on a proposé aux gens de prendre des appareils photo jetables et de prendre en photo ce qui les interpellait sur le site. Tout ça, ça pouvait être des choses qui pouvaient intéresser notre manière de réhabiliter le quartier. Et du coup, on se rend compte que tout ça, c'était aussi des méthodes de travail. Et aujourd'hui, on est très attentif à ça, de voir quelle méthodologie on met en face des objectifs qu'on veut faire. Donc de ne pas s'étonner qu'on n'y arrive pas.